Gender equality is a fundamental cornerstone for democracy. Moreover, gender equality, just like democracy, is a prerequisite for sustainable development and an enabler for achieving the 2030 agenda. It is an established fact that closing gender gaps in political representation will result in more inclusive policies, better service delivery, and ultimately in higher levels of human development. We have to say it out loud. A political sphere dominated by money is almost certainly a political sphere dominated by men. Democracy depends on the health of the political finance. I'd like to point out that this topic today, increasing women's participation in politics, decision-making, is really important, not just for women, it's also important for men. Une vraie législation qui se met en place et qui assure la transparence du financement public des partis politiques. C'est une évolution démocratique importante. Ajouter une dimension et parler aussi de gender budgeting quand on parle de financement et de comptabilité de partis politiques. Nos partis politiques qui doivent tous les ans déposer au Parlement un rapport sur la comptabilité devraient y rajouter un chapitre en expliquant comment leurs moyens ont été employés, en particulier par rapport aux femmes et aux hommes et par rapport à l'appui du mouvement de femmes au sein de leur parti. If you don't have the enough background, the strong background, it's very difficult for women to compete in the election. We should use so-called positive discrimination. That means that a certain amount of money should be allocated for women that want to run in politics, run for the parliament, run at the local level. Mejores medidas es la despatriarcalización. Hay que terminar con el machismo, la imposición, especialmente a todos los varones así de corazón. Les digo que ayuden a que muchas mujeres más sean asambleístas. We have to have a legislation whereby granting more, if it is a state fund, additional state fund to women candidates so that they can compete with the male counterparts during the election. That is the role where male should come forward and proactively support our women so that we have women representation, if not parity, in the parliament in future. Et c'est d'autant plus difficile pour les femmes d'avoir des fonds que si elles ne sont pas financièrement disposées, si elles n'ont pas une autonomie financière, ce n'est pas évident. C'est que nous essayons d'avoir des partenaires. Nous avons International Idea, nous avons l'Union européenne, nous avons l'Union africaine. Nous avons ces partenaires-là que nous faisons de la sensibilisation auprès d'eux pour leur demander de financer ces femmes. Yes. Rethinking political finance regulation from a gender perspective is urgent.